Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous autres parce que nous allons officiellement aujourd'hui signer un accord de don à hauteur de 1,775 millions de dollars et, pour pouvoir équiper le centre hospitalo universitaire du Nord-Ouest de l'OFATMA. C'est une institution, comme vous venez de le voir, qui a une grande importance, non seulement pour l'OFATMA, mais qui va avoir également une grande importance pour tout le département du Nord-Ouest et même l'Artibonite d'une manière générale. Et qui, tous ces endroits vont pouvoir utiliser vraiment ces services de l'hôpital. À partir de la signature de ces accords de dons, qui portent autant sur l'équipement de l'hôpital, mais également sur la mise en place d'un système solaire de 50 kW, nous allons pouvoir effectivement et projeter l'inauguration formelle de cet hôpital que nous espérons pouvoir faire dans 2 mois. Et le temps que les commandes et que les mises en place puissent se faire correctement. Donc, je dois d'abord remercier le ministre des Affaires sociales pour sa présence, certainement, et surtout remercier l'ambassade de Taïwan, qui a une longue histoire de coopération avec l'OFATMA, et par l'intermédiaire justement d'une fonction extrêmement importante pour l'assurance, qui est la fonction de prestation de services et de soins. Donc nous sommes une compagnie publique d'assurance santé, et la fonction de prestation de soins est extrêmement importante pour nous autres. Il ne s'agit pas seulement pour l'OFATMA de prélever des cotisations, mais il s'agit surtout et avant tout de délivrer des services et des services de soins et de santé d'une manière générale et à nos assurés. Cet hôpital aura non seulement cette fonction de prestation de soins, mais nous envisageons également de confier une autre fonction de formation universitaire au niveau de cet hôpital. Nous prenons l'engagement au niveau de l'OFATMA de garantir la pérennité du fonctionnement de cet hôpital et dans le temps. Et ce qui parfois n'est pas facile à faire, mais on va certainement réussir justement cette action. Nous sommes en train de faire d'autres interventions au niveau d'autres centres de prestations de l'OFATMA, dont l'hôpital au niveau des CAI, dans le sud. Également le centre que nous avons au niveau de la SONAPI à Port-au-Prince, et même au niveau de l'hôpital du Cap-Haïtien, nous sommes en train également de faire des interventions pour améliorer la prestation de services. L'enjeu de cette cérémonie est également dans le lancement d'une nouvelle perspective et d'une nouvelle image de l'OFATMA. Et, il est extrêmement important que nous projetions cette image d'une institution qui effectivement assume toutes ses responsabilités, y compris sa responsabilité de délivrance de services de santé, de soins. C'est notre principal objectif en tant qu'organe de la sécurité sociale. Nous faisons partie d'un dispositif de protection sociale en santé, mis en place il y a très longtemps, par l'État haïtien, et nous devons assumer justement cette fonction entièrement et pleinement. Nous avons la responsabilité, la mission, de réduire ou bien de gérer les risques financiers pour les salariés liés à un épisode de maladie. Et pour ce faire, nous devons leur offrir des services de santé, je le répète encore une fois, extrêmement important. Nos services de santé, que ce soit les services de santé qui dépendent directement de l'OFATMA, comme ce nouvel hôpital qui va être mis en fonction, que ce soit les services au niveau des unités périphériques, en tout cas les hôpitaux privés, avec lesquels nous avons un contrat de prestation de services. C'est un grand plaisir et une joie réelle que je suis parmi vous aujourd'hui pour témoigner la signature des contrats
donc l'OFAMA et deux entreprises taïwanaises, Spectec ainsi que l'OSCC, respectivement pour la fourniture d'équipements médicaux et d'un système solaire hybride de 50,22 kW. Au centre hospitalo-universitaire du nord-ouest de l'OFAMA, situé à Port-de-Paix, dans le département nord-ouest. Ce don de matériel d'une valeur d'US$1,775,000 et d'un financement complémentaire que le gouvernement taïwanais a accordé à l'OFAMA pour accompagner l'ouverture imminente de l'hôpital. C'est ainsi, avec cet accompagnement supplémentaire, le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest pourra être autonome en termes de consommation d'électricité et prêt à ouvrir ses portes avant la fin d'année. Mesdames et messieurs, la construction de cet hôpital n'a pas été facile, compte tenu des défis sociaux, politico et économiques que le pays a traversés depuis le lancement des travaux en 2019 et que nous avons eu à relever ensemble. Entre temps, le contexte international ne nous a pas épargnés non plus. Le monde entier a été secoué par la pandémie de la COVID-19 et par la guerre en Ukraine, dont les ondes de choc ont profondément impacté les travaux et se font toujours sentir à ce jour. Je voudrais ainsi saisir cette occasion pour remercier l'OSCC, l'entreprise taïwanaise en charge de la construction de cet hôpital. Car depuis le lancement des travaux, ils n'ont ménagé aucun effort pour réaliser le chantier malgré les obstacles de toute nature mentionnés tantôt. Cet esprit de travail est également un symbole de l'amitié que lie Taïwan et Haïti, car c'est une amitié longue de 66 années et chaque fois qu'elle a été mise à l'épreuve, elle en est ressortie toujours plus forte. C'est ainsi que s'est développée entre nos deux pays cette profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa croissance et ferme de sa volonté, particulièrement interprétée par une solidarité agissante sur la scène internationale, ainsi qu'une coopération dynamique bilatérale dans un esprit de partenariat. Taïwan et Haïti sont deux pays frères qui partagent beaucoup de similarités. Et nos deux peuples partagent le même courage quand il faut faire face aux défis qui passèment sur le chemin de l'émancipation d'un peuple. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier une fois de plus l'esprit de solidarité que le gouvernement haïtien a exprimé envers Taïwan lors de la récente manœuvre chinoise déraisonnable menée aux alentours de Taïwan. Pour finir, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement taïwanais à se tenir aux côtés d'Haïti. Je veux, au nom du gouvernement haïtien, présenter notre gratitude à l'ambassadeur taïwanais, mais au peuple de la République Taïwan, donc d'avoir toujours eu cette solidarité, d'avoir toujours manifesté cette solidarité en faveur du peuple haïtien. C'est une solidarité vieille de plus de 66 ans et à chaque intervention, donc ce serait beaucoup plus rassurant dans la mesure où la République Taïwan est toujours là aux côtés de la population haïtienne chaque fois le besoin se fait sentir. Les travaux de l'hôpital, de la construction de l'hôpital du Nord-Ouest, donc, a été lancé dans un contexte socio-économique et sanitaire très difficile. Donc, de 2019 à 2022, donc, les chocs covariants donc, n'ont pas été moindres à la mesure où nous avons connu
la crise de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, nous sommes en pleine guerre à Russie et Ukraine. Et nous avons aussi connu en Haïti le passage du tremblement de terre du 14 août 2021. Donc, tous ces événements, tous ces chocs covariants ont contribué donc négativement sur l'avancement, l'état d'avancement des travaux. Quand même, sous le leadership du directeur général de l'OFATMA, donc on est arrivé à l'achèvement de la construction de l'hôpital. Dans une rencontre que j'ai eue avec le directeur général, donc nous avons dit maintenant le bâtiment est fin prêt et il se pose un problème d'équipement de l'hôpital. Le directeur général m'avait dit, on est en négociation avec les amis du Taïwan, donc pour essayer de trouver des fonds additionnels pour équiper l'hôpital. Et je lui avais dit, je crois toujours en la solidarité taïwanaise et nous aurons vraiment à bénéficier de leur support pour équiper l'hôpital au bénéfice, non pas de la région du Nord-Ouest et de l'Antibonite, mais de toute la République d'Haïti, parce que c'est un hôpital universitaire qui est appelé à former des médecins. Le FATMA est dans une dynamique de sécurité sociale. Donc, cela veut dire quoi? C'est une institution publique qui met en œuvre la politique de sécurité sociale du gouvernement. Le FATMA a une spécificité. C'est à la fois une compagnie assurance, un assureur, mais aussi un prestataire de soins. Cela veut dire que le FATMA travaille avec les fonctionnaires de l'État. Le FATMA offre des services aux institutions privées, donc qui se sont assurées à le FATMA en tant qu'assureur. Mais aussi, le FATMA offre des services à toute la population, surtout la population la plus vulnérable. Donc, nous sommes là pour encourager cette dynamique et au nom du gouvernement haïtien, donc je tiens à féliciter le leadership du nouveau directeur de l'OFATMA, donc qui a pris cette initiative de reloger l'OFATMA dans ce nouveau bâtiment. Donc, nous savons tous que l'OFATMA a été éparpillé donc, dans plusieurs espaces, donc je pense qu'il est opportun et qu'il est juste et rationnel de mettre tous les services dans un espace, question de rationaliser les dépenses premièrement, mais aussi de permettre à ce qu'il y ait une meilleure articulation entre les différents cadres de l'OFATMA qui travaillent et qui offrent un service à la population.